un projet qui s'appelle Student Mind Changer. On a mobilisé des étudiants sur le campus de Liège pour créer des outils de sensibilisation pour parler de migration. Donc on a recruté une trentaine d'étudiants et on les a fait créer des outils pour sensibiliser tous les étudiants d'université. Donc c'était vraiment un groupe relais. Et donc ils ont créé une vidéo, ils ont créé un magazine, ils ont aussi fait un plaidoyer. Et il y a eu tout aussi la communication qui a été créée autour de ces outils pour pouvoir les diffuser auprès des étudiants. L'objectif du projet est de parler de migration au sens large. On n'avait pas précisé la thématique parce qu'on voulait que les étudiants puissent l'accaparer et se l'approprier. Ils ont vraiment trouvé une thématique qu'on trouve super, c'est comment communiquer autour des questions de migration sans plus véhiculer de stéréotypes. Et donc l'idée, c'est à la fois de dénoncer, mais sans créer des stéréotypes pour autant. Et donc c'est vraiment essayer d'amener le public à réfléchir sur « Ok, en parler oui, mais de quelle manière, avec quels mots et sous quelles conditions ?» Ça signifie faire partie avec d'autres associations d'un élan qui continue à parler de migration et d'environnement alors que c'est quand même très important et de se sentir soutenu là-dedans. Ça signifie aussi que ces questions-là sont aussi essentielles au sein de la Fédération Wallonie de Bruxelles et donc on ressent aussi le même élan de leur part et d'une autre de travailler sur ces deux thématiques. Travailler avec les jeunes, c'est formidable parce que l'enthousiasme et l'élan avec lequel les jeunes travaillent et vont dans des thématiques qui sont quand même assez anxiogènes et qui peuvent se replier sur soi, ça a été presque l'opposé. C'est non, on veut continuer à en parler, on veut continuer à créer des solutions, à innover. Et, la question de la migration, on ne voulait pas trop la centrer, pas trop la définir en amont en se disant bah, si ils doivent s'approprier la thématique et vraiment la vivre, créer ensemble des projets. On voulait la laisser assez vague, alors c'était un peu un piège aussi de laisser ça trop vague en parlant juste de migration, mais ça a bien fonctionné. C'est eux qui ont, à travers une soirée où on a réfléchi à comment aborder cette question-là, c'est eux-mêmes qui ont défini leur propre message et leur propre angle d'approche, quoi. L'idée, c'est d'amener vraiment cette thématique au sens large, mais après, qu'ils créent eux-mêmes leur chemin au sein de la thématique en elle-même. J'ai remarqué que ça leur plaisait, ouais, parce que c'était pas les amener directement à réaliser le projet en leur donnant le cadre trop précis, mais ils ont eux-mêmes créé leur propre cadre, leur chemin, et ils se sont sentis vraiment impliqués dans le projet grâce à ça. Ouais.